Non mais pardon, mais si t'enlèves l'effet de l'alcool, le vin n'arrive pas à la cheville d'un bon jus de mangue. Non mais voilà, je veux dire, la preuve c'est qu'elles sont à combien les ventes de genre de bière sans alcool ou de vin sans alcool. C'est rien du tout, c'est acheté par qui? C'est trois femmes enceintes en Normandie. C'est pire encore en fait, genre un bon cocktail ou un bon vin. Tu vois, genre un vin qui coûte cher, qui coûte genre le budget cantine d'une famille de quatre. Tu vois, juste avant de te le faire goûter, on te dit toujours, tu vas voir, c'est excellent. On sent à peine l'alcool. Je dis, mais quoi? Donc, moins on sent l'alcool, plus ça coûte cher. En fait, prends un jus de raisin à 2,15€, ça va aller beaucoup plus vite. Et la preuve ultime, et ça, attention, j'ai fait des recherches scientifiques, c'est qu'on a retrouvé des amphores qui datent de la Grèce antique et des archéochimistes. Les archéochimistes, le métier, il est dans le nom. D'accord? Bon, ils ont découvert, grâce à ces amphores, que le vin, à l'époque, il rajoutait genre des épices et des fruits. Pour le goût. Ben parce que le vin seul, c'est nul en fait. Oui, non, mais du coup, personne faisait semblant de sentir à l'époque justement les notes de banane dans le Beaujolais. Il y avait littéralement des bananes en fait dedans. Tu vois? Et ils ont aussi trouvé des traces de champignons hallucinogènes. Voilà. C'est vrai? Ah ouais. Et ben ouais, mais là, tu comprends d'où vient la démocratie du coup. Elle vient des champis. Ben, ah ouais. Oui. Parce que c'est clair que c'est pas avec de la cocaïne que les gars de HEC ils vont faire genre, ouais. Je crois qu'il faut que tout le monde ait une voix à exprimer et un revenu universel. C'est ça le futur de la Macronie. Tu vois, non, non. Mais bon, après, je ne vais pas faire l'apologie de la drogue non plus. Parce que moi, l'économie souterraine, l'économie parallèle, ça m'énerve aussi. D'accord? Parce qu'en fait... Humoriste engagé. Non mais, ouais, non, mais les gens qui se vendent des trucs entre eux sans passer par une multinationale. Genre, même le Bon Coin au Vinted, ça me pète les couilles, en fait. Ça me fait mal à ma France. Ça me fait mal à mon CAC 40, en fait, même. Tu vois, tout ça pour vous dire que mon seul conseil, c'est de prendre des substances légales, hein, qui sont vendues par Pfizer, Sanofi, Merck, parce que là, j'y ai des actions. Voilà. Donc, comme ça, votre malheur, ça fait mon budget vacances, quoi. Yes. En attendant, n'oubliez pas, arrêtez d'être pauvre. Voilà. Bravo, bravo.